Hey, salut à tous et à tous, Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, le 11e épisode de notre carrière avec l'Atlético de Madrid. Et aujourd'hui, voilà, on va changer de difficulté, on va un petit peu corser tout ça pour la fin de la saison. On va passer en mode légende, voilà, parce que je trouve qu'on a... Enfin, je trouve que je joue quand même assez bien pour l'instant, donc voilà. Donc, eh bien, on est premier ex aequo avec le Real de Madrid, et on a juste une meilleure différence de but que eux. Le Barça a 3 points de retard sur nous. Et après derrière, Grenade, Séville, Villarreal sont très loin. On est vraiment les 3 meilleurs clubs cette saison. Donc on va partir pour le match contre la Real Sociedad. Voilà, hop. Et on va laisser, je pense, notre duo de buteurs. Donc voilà. Allez, on est parti dans notre enceinte face à la Real Sociedad en espérant de gagner. C'est parti pour ce match. Angel Correa qui va lancer Riyad Mahrez, la première frappe, elle passe à côté. Dommage. Défensive. Attention, la poteau et le but. Le but pour la Real Sociedad. Il avait frappe lointaine qui touche la barre. Voilà. Et derrière, bah, Samir Handanovic qui ne peut rien faire. Bien joué à eux. Ilara Mendy qui ouvre le score. Gabi. La frappe. Oh là là, elle est arrêtée. Le centre. La tête, elle est ratée. Dommage, elle est dans les bras de Rulli. Avec Angel Correa, il est passé tout seul. Il est tout seul, Angel Correa. Et oh non. Mais non, qu'est-ce que tu loupes? Oliver Torres qui loupe une balle. Mais comment il loupe ça? Comment il me loupe ça, Oliver Torres? Le centre et l'arrêt d'Andanovic. Et voilà, fin du match. Et défaite avec un goût très amer parce que on avait l'occasion d'égaliser, mais malheureusement on ne capte pas ces ballons. Et ça nous a fait défaut. Mais bon, on est passé en mode légende. C'est peut-être qu'il faut s'habituer à ce mode de jeu. En tout cas, on va voir. En plus, il va y avoir le retour contre Chelsea. Et voilà, ben là, en tout cas, il s'est obligé de gagner ce match. C'est obligatoire la victoire. On va mettre un duo de buteurs. En tout cas, on joue à Valence. Le stade est très très beau. Les supporters sont là, mais là, on veut la victoire obligatoire. C'est parti pour ce match. Oh, mais oulala, on a eu chaud. Attention. Il faut la relancer devant. Lewandowski. Oliver Torres, c'est passe à côté encore une fois. Mais Torres, qu'est-ce que tu me fais, mon petit? Oh là là, les balles de but qui ratent à chaque fois. Avec Carrasco, dommage, la bonne défense. Oliver Torres, peut-être l'arrêt de Diego Alves. Oh l'erreur du gardien. Il est passé à côté, cette frappe, encore une fois, c'est incroyable. Et voilà, fin du match, 0-0, et encore une fois, c'est pas mérité. On a dominé ce match. Et on était toujours devant. Et voilà, on loupe des occasions encore une fois impressionnantes. Une fois Lewandowski, une fois Oliver Torres. Et là, je sais plus quoi faire, les gars.
On affronte quand même Chelsea. Et ça va être compliqué. Je vais d'ailleurs aller voir un petit peu le classement, voir ce que ça fait. On en prend Chelsea, d'accord. Et ben pour le coup, ils sont repassés devant nous avec un match en moins. Donc il y a quasiment 5. S'ils gagnent, il y aura 5 points à rattraper. Imaginez ce que c'est 5 points. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils aient quasi. Ils aient 2 défaites en fait. Ou 2 matchs nuls et nous 2 victoires. Même pas. Ouais, ça va être très compliqué à rattraper là, les 5 points. Bon. Ben on va partir comme ça, écoutez. On avait gagné à l'aller. Donc il faut au moins que la défaite elle soit de 1. Et ouais, Diego Costa 3 buts sur les 3 derniers matchs. Attention. Et pour le coup, Robert Lewandowski qui est seul. Seul Robert Lewandowski. La frappe et le but. Le but qui nous fait plaisir. Parce que ça peut nous remonter le moral. Et ça peut nous faire du bien si on arrivait à gagner Chelsea. Pour la suite de la Liga BBVA, en tout cas, but d'Angel Correa. Il est dégueulasse le but, mais c'est un but quand même. Et ça peut nous faire du bien. Parce que là, finalement, avec quelques occasions, on arrive à marquer. Et c'est peut-être contre une grosse équipe que ça peut nous relancer. Les défenseurs londoniens. Koke, il a failli le marquer, le deuxième but du match là. Hazard avec personne, il continue tout seul. Hazard, il continue sa route, il va y aller. Seul au but, et le but d'Eden Hazard. Il a été monstrueux, Eden Hazard, sur ce coup. Hop, 1, 2, 3, 4. 4 ou 5 défenseurs, il passe Eden Hazard juste avant la mi-temps. Oh, l'arrêt de Thibaut Courtois, énormissime l'arrêt là de Courtois. Plus un seul défenseur, il reste que John Terry. Et ça va faire le doublé. Le 2-0. Robert Lewandowski. Koke qui marque ce but. Ça fait du bien à Koke de marquer ce but. Voilà, tranquille. Ouhou, Lewandowski est repassé. Lewandowski qui est passé pour Koke. Le 3-1. Oh là 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 là. Là on est bien là. Là je me sens bien, voilà. Le mode légende, ça y est, il est à nous maintenant. Il va falloir confirmer en Liga BBVA et remonter tous les points de retard sur le Real. Parce que contre Chelsea, 3-1 en Ligue des Champions, c'est parfait. Ça va nous qualifier pour les quarts de finale. Et ils sont lents les défenseurs. Ils sont très très lents les défenseurs de Chelsea. Et ça, oh, ça pouvait faire un autre but là. Ça pouvait faire un 6-1 en score cumulé. Et voilà, fin du match. Victoire 3-1 aujourd'hui. Et 5-1 si on cumule les scores. Face à Chelsea et la victoire de Barcelone face au Sporting. Donc victoire 5-3, un score cumulé. Paris éliminé. La Lazio, la Juventus éliminée par le Zénith. Étonnant. On va jeter un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil. Bon, Deportivo, ça devrait être facile quand même. Mais bon. Ok, bon, Jackson Martinez qui va revenir. Ouais, ils ont... ils ont un seul point d'avance. Un seul point d'avance, hein. Ça peut... Ah ouais, non. Ah non. Un seul point d'avance, non. 3 points d'avance. Et Barcelone qui revient en trousse finalement. On est 3 dans la course au titre. C'est chaud là. C'est chaud. Cette fin de saison. Alors, au niveau des rencontres. Non, c'est pas ça. Oui, on était au bon endroit. Alors, en coupe... ouais, non, mais ça, non. Alors, en coupe des champions.
Eh ben, on va passer contre. Non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas encore contre qui on jouera. On verra bien. Et on va jouer donc contre le Deportivo. C'est parti pour ce match. Allez, on est parti pour ce match. Vicente Calderón qui est en feu aujourd'hui pour ce match. Et c'est parti, coup d'envoi donné. Coqué, le but de Coqué. 1-0 face au Deportivo, c'est bien parti dans ce match. 13 minutes de jeu, un but de Coqué. C'est parti sur les chapeaux de roue. Felipe Luis qui intercepte, il frappe. Il tente sa chance, c'est bien arrêté. Allez, corner Coqué. Ça revient sur lui. Ouais, raté. Coqué. Coqué qui a bien débordé. La faute sur Coqué. Et ça. Coup franc. Coup franc à la limite, hein, d'ailleurs. Allez, on va essayer de le taper. Oh, dommage. Elle est juste un peu au-dessus. Oh, c'est bien joué ça. Coqué qui va la faire pour Vieto, le 2-0. On assure les buts, on assure les buts, on les prend. On fait pas n'importe quoi, essayer de taper alors qu'on peut pas. On préfère mettre des buts dégueulasses et voilà, ça fait 2-0. Mais là, on joue le titre, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Coqué qui est lancé, le but de Coqué, 3-0 pour l'Atlético de Madrid. L'interception de Vieto. Interception de Vieto. Et le 4-0. Angel Correa. Ils prennent l'eau. Deux buts en l'espace de 3 minutes pour notre équipe. Voilà, ils sont pris en défense. Et on met bien la pression. Ça fait du bien. La tête, elle est ratée. La reprise de volée. La reprise encore une fois. Ouh là là là, c'était le feu là dans la défense. Voilà, fin du match. Victoire 4-0. Et on peut dire vraiment que la victoire contre Chelsea nous a donné des ailes. En tout cas, ça fait vraiment hyper plaisir de gagner ce match. Et la course au titre, elle est pas finie. Personne. Et voilà en plus. Non, bah ils ont un match de retard. Mais la course au titre est vraiment pas terminée. Et je pense que ça peut être sympa. En tout cas, Vieto meilleur buteur pour l'instant. On va juste aller voir le calendrier des rencontres pour les prochaines fois. Alors, donc le Real qui prend Levante. J'ai juste envie de voir s'il n'y a pas un petit Barça-Real bientôt qui nous attend. Et si, il y a le Classico. Le Classico qui peut peut-être sceller. Un match nul au Classico ou une défaite du Real, ça pourrait nous aider. Donc, rien n'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les gars. Je vous dis à la prochaine. Lâchez un like, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.